Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette 374e, je crois que ça doit faire ça, émission de Noir et Blanc. On va bien sûr revenir sur le week-end passé, vous parler un petit peu du week-end à venir avec nos spécialistes à nous, Jackie Siméon, Gérard Muscat, merci d'être là tous les deux. Aujourd'hui, notre spécialiste au Rodoru, Romain Beaufy, qui arrive tout droit, j'imagine, d'Angleterre, hein, vu l'absence totale de bronzage et le magnifique t-shirt à bourrer. Et puis notre demoiselle d'honneur de la Reine d'Arles, mais notre reine à Noir et Blanc à nous, Julia Bérisi, merci de votre retour. Oui. Les stages sont terminés. Vous êtes et à présent en vacances. Voilà. On a la chance de vous récupérer dans Noir et Blanc, en plus des intégrales. Merci d'être là. Romain, on va démarrer avec vous. Les taureaux de rue, beaucoup d'images le week-end dernier et même des centaines de taureaux, peut-être un peu moins, mais beaucoup à Lunel-Vielle, par exemple. Voilà, de magnifiques images à Lunel-Vielle, mais aussi Castelnau-Valence. On a aussi un cocon d'attrapage à Lec, mais de partout, il a fait très très chaud. Contrairement à ce que tu as dit, j'étais pas d'Angleterre, j'étais bien ici, j'ai bien eu la chaleur. Donc on va pouvoir voir ça en image. Mais vous n'êtes pas sorti de la cave alors pour ne pas prendre de couleur. Je suis resté au frais. D'accord, c'est ça, ouais. C'est ça. Bon, ben, en tout cas, merci à nos caméramans, hein, Cédric, pas Jérôme, qui lui était à Paris aussi, un peu moins au nord que vous, mais un peu quand même. Voilà toutes les images qui nous ont ramenées. Merci aussi à JP Bideau, gardien, la famille QRM qui était là pour l'occasion. Romain, les JT des fêtes votives, hein, peut-être on peut annoncer, ou peut-être pas. On va parler du week-end à venir. Il y a la pesque à Lunel, la fête à Lunel qui démarre ce week-end, je crois. Mais il y a plein d'autres fêtes de partout. Voilà, beaucoup de fêtes ce week-end. Donc le tableau va s'afficher. Donc Beaulieu, Blauzac, Brignon, Cabrières, Caveyrac. Une grande journée à Château-Renard avec une superbe gaze. Susclan, Congény, Générac, Jonquière-Saint-Vincent, donc Lunel, la fête votive, Montpezat et Saint-Gervasie. Donc beaucoup de fêtes, on ne pourra pas tout faire. À Lunel, par exemple, vous serez présente, je crois, Julia, pour l'inauguration de cette exposition sur les 150 ans des arènes. Jackie, je crois que vous avez été là, hein, à la création de ces arènes-là, il y a 150 ans à peu près. Mais voilà, une belle expo qui retrace toute l'histoire des arènes de Lunel qui vous sont chères, hein, puisque vous faites partie des rares raseteurs à avoir fait votre despedi de là-bas. Oui, et puis moi j'ai inauguré des nouvelles arènes aussi. Hein. J'avais raseté pour. Il y avait Pascalier, je me souviens, la Royale de la Font en plus. Quelle année? Donc, voilà. C'était en 81, je crois, ou 3, non 81 peut-être. Les nouvelles arènes. Nouveau président, nouvelles arènes, 1981. Donc l'expo démarre le 13 juillet, hein, ce week-end. Mais l'inauguration, c'est la veille à partir de 18h, je crois. Et elle sera visible tout au long de cet été. On ira faire un petit tour, bien sûr, nous, avec TV Sud. D'autres infos, les fêtes votives, c'est aussi l'occasion pour Nîmes Métropole, pour les villages de l'agglomération nîmoise, de présenter de la course camarguaise et de monter des arènes dans des endroits qui, ou des villages qui n'ont pas d'arène. Voilà le programme et le détail de graines de raseteurs les semaines à venir.
vous détaillera tout ça. On recevra René Imbrique d'ailleurs, qui porte ce projet-là à l'agglo, monsieur traditionnel l'agglo, un de ses moments. Mais voilà, pour vous donner un petit peu le détail, la majorité des courses auront lieu maintenant, hein, à partir de la mi-juillet jusqu'au début du mois de septembre. Et puis, pour être à peu près complet sur les fêtes locales, les infos JT des fêtes votives. Alors, vous vous débattez, Romain, pour essayer de faire un JT des fêtes votives qui soit mieux que celui que j'ai pu faire au Sainte-Marie-de-la-Mer. Vous avez beaucoup de mal, hein, des fois vous oubliez de brancher le micro, etc. Il n'y a pas de prévu là, la semaine qui vient. Nicolas Péchino, c'est pareil en même temps, hein, il a beaucoup de mal cette année. Oui, donc à partir de... Déjà ce soir, vous aurez un rediff sud de Saint-Maurice. Demain, Rodian, jeudi, Saint-Jean-de-Védas, vendredi, Pulse, lundi, Moulezan, le fameux JT des fêtes votives avec Sanson, mais avec un apéro des Bargeaux énormissime. J'ai laissé mon micro. Vous avez laissé le micro, ça me donne le micro. Voilà, donc un bon programme encore pour la semaine et pour vous régaler tous les soirs. Voilà, et puis tous les JT sont aussi visibles sur les pages TV Sud ou sur Dailymotion si vous tapez votre village. Vous les retrouverez très facilement. Venons-en maintenant, on a à peu près tout dit, Romain, on n'a rien oublié. C'est bon. Au taureau en pointe, Gérard Muscat, vous étiez présent, les images vont démarrer. C'était vendredi dernier dans les arènes de Romoulin, la cerise d'or. C'était, je ne sais plus quelle journée exactement. Je crois que c'était la deuxième journée de la cerise d'or, mais en tout cas une très bonne course. Vous êtes régalé à l'ombre des platanes romoulinois. Oui, on a vu une bonne équipe de jeunes radoteurs. C'était vendredi, ils ont annoncé samedi. Vendredi. Ouais, c'était vendredi à 5h à l'ombre. Et les taureaux aussi. J'ai été surpris de voir des taureaux que je ne connaissais pas. Bon, il faut dire qu'il y a eu la manière comme ils ont été radotés aussi. Ils belle équipe mis... avec Siakini, voilà. Belgourari, Zekraoui ou bien Martin Cochet. Hein. Les taureaux ont été mis en malheur. Ils ont radoté proprement. D'abord, je crois qu'il s'est levé 7 ou 8 ficelles. Ça veut dire que ça a radoté. Belguari, Siakini, le gaucher Bourgane aussi, moi je l'ai trouvé vachement en progrès. Et Martin Cochet aussi, qui revient, qui a radoté. Il y a eu Rémi Guillaume. On a retrouvé aussi à la cocarde d'or et ça lui a redonné des jambes. Ouais, il a radoté aussi. Et Rami, qui habituellement rentre ses ficelles, là, s'est fait dépouiller. Hein, ouais, il s'est fait dépouiller. Et c'est-à-dire que Belguari, il partait à 3 mètres au taureau droit dedans, et proprement, hein. Et tous les gens ont été contents sur les gradés, les jambes. Rami, 8 minutes bien de course, hein, quand même. Hein. Vous parliez de pression des hommes, mais dans le bon sens, hein, puisqu'ils ont beaucoup rasoté. Ça a été le cas. Vivement que ces droitiers-là arrivent peut-être au trophée des As, hein, Jackie. Oui, mais le maladier Plot me disait l'autre jour qu'en fait, il ne mettait jamais beaucoup de tours. Et en fait, parce qu'il n'était pas beaucoup rasoté. Et là, peut-être il y avait de la pression et c'est parti. On a vu de belles images de Volteo de la Mana de Ditelo. Et là, maintenant, c'est Bécassier de la Mana de Lautier qui conclut cet après-midi, Gérard. Ouais. Une bonne équipe, en fait, on ne s'est pas ennuyé du premier au dernier. Et les gens sont sortis contents. En plus, on était bien à l'ombre. En Romoulin, c'est... Et il manquait un peu de monde. La maman de Grammatico me disait, comme elle est du club Taurien, que comme c'était un vendredi, qu'il s'était arrangé un peu à Montfrim, parce que normalement, il devait être dimanche. Et qu'il avait fait vendredi, bon, il manquait un peu de monde, mais... Et oui, c'est forcément beaucoup plus compliqué, les gens travaillent. Et on le voit, ce dernier taureau, bon également, Calisson de la Mana de Fournier, mais c'est vrai qu'avec des équipes de raseteurs comme ça et la manière avec laquelle ils rasaient, souvent les taureaux sortent très très bien. On revient aux autres courses de la semaine dernière, Jackie, vous étiez à Aigues-Vives, la deuxième journée du Sarman d'Or en pleine fête locale, un deuxième week-end de fête locale, les images vont démarrer. Alors malheureusement, le Sarman d'Or qui avait très très bien démarré, la première journée excellente, a été plus compliqué sur les deux autres journées, dont la course du jeudi. Oui, ce qui est compliqué aussi, c'est la piste d'Aigues-Vives, hein, parce que c'est difficile. Il y a à droite la barrière s'en va, elle est grande, il y a des angles. Donc si ce n'est pas des taureaux qui se mettent en valeur, les hommes ne peuvent pas trop courir devant. Donc voilà, là on a vu Sultan, bon, c'est un taureau vaillant, mais qui a montré quand même une bonne anticipation, ce qu'il avait quand il a débuté. Là, et là, bon, dans la piste d'Aigues-Vives, il était assez à l'aise. Enfin, plus à l'aise que par exemple à Sommières où on l'a vu au Trophée des As où il n'avait pas été très bon. Alors comme dit Belguari, il n'était pas là sur la deuxième journée, je crois, le jeudi. Non, il n'était pas là, il saute une course sur deux parce qu'il a un petit problème, je crois, au dos. Et le meilleur taureau finalement de ce Sarman d'Or 2013 est un autre taureau de l'Occitane, pas celui que vous voyez là, mais Boer, qu'on avait vu très bon lors de la première journée. Ouais, là il est Quentin, c'est un taureau qui a besoin qu'on lui court un peu devant, hein, et on lui a montré qu'il est capable de faire quelques actions. Et là c'est Keiras, on m'avait dit qu'il fallait aller voir ce taureau, qui était. Bon, on sent qu'il a des qualités, mais je veux dire encore là, à certains moments il a été bien, mais il n'a pas fait une course complète. On était un peu déçu. Merci aux caméramans qui ont officié à Aigues-Vives, Jean-Pierre Mass ou Raymond Ferrier ou Roger Curin en particulier. Les adieux de Cyril Garcia
à cette piste, moment d'émotion, son petit tout qui le rejoint dans la piste, pour une piste où il a très souvent, ou quasiment tout le temps, raseté à chaque saison. Oui, là c'est Poulidé, c'est le taureau qui sera le mieux. Qui a le prix de meilleur taureau de la finale. Là, et ouais, là, quel rasé, hein, Jackie. Il fait un grand rasé, mais alors ça a duré toute la piste. Hein, ouais, c'était... Et elle est grande, la piste, dans la longueur d'Aigueville, comme ça. Superbe. Il a fait deux énormes avec celui-là. Ah, il a du dégagement. Je pense que c'est que ce qu'a mis le taureau en valeur, parce que le taureau était quand même brouillon, il courait beaucoup, il n'était pas extraordinaire quand même. Il a un physique énorme, ce garçon. Ouais. Vous l'avez compris, on met que les taureaux qui ont été performants ou qui sont intéressants, hein, puisque Poulidé sortait deuxième, Perceval sortait troisième, je crois, Jacqueline. Oui. Perceval, bon, les deux de Nicolas, mais comme toujours, hein, c'est des taureaux, ils sont pas mauvais, mais ils prennent tout, mais ça manque un peu d'émotion, ils ont que de la noblesse. Hein. Et on sortait les taureaux suivants pour arriver au dernier, à ce ténor de la Manade Saint-Gabriel. Oui, c'est un taureau qui a été bien sur son début de course. On croyait même qu'il allait sauver la course, qu'il allait enflammer les gradins, et puis après, il s'est éteint doucement. Je pense que vous avez sauté celui de Soman, qui était pas mal, Caruso. Je pense que moi, c'était un peu le meilleur de la course. Mehdi Benguari, logiquement, même avec une course de moins qui remporte ce trophée, Cyril Garcia Honoré, la Manade L'Occitane. On le disait tout à l'heure, pour ce Sarman d'Or 2013, une compétition qui, elle, se tient sur plusieurs journées tout au long de la saison, tout au long du printemps. C'est Villeneuve, les Maguelones, Jackie, on bascule là-bas. C'est Roger Curran qui était à la caméra ce jour-là. Merci à lui. Il faisait chaud, voire très très chaud. Dans les arènes, heureusement qu'il y a une petite partie qui est à l'ombre. C'est là d'ailleurs où se massent tous les spectateurs dans cette piste de Villeneuve. Et on voit l'image d'abord Carabène de la Manade de Fabre Mayan qui sortait premier. Oui, et là, Mehdi devait raseter justement. Comme il rasette une course sur deux, il pas allé là. Il a sauté cette course pour raseter le dimanche avec Ville. Et c'était la reprise de ce jour-là, hein, dans son village, de Jérémy Aliaga, qui, après sa superbe cocarde d'or, qui n'a tenu qu'à un ruban, se retrouvait cet après-midi-là dans cette piste, dans son village, au Trophée de l'Avenir. Marcias de la Manade Fabre Mayan, qui était quatrième dans cette journée. Un Marcias qu'on avait vu très bon à Palavas, par exemple. Et puis, cette fin de course, l'avant-dernier, Negocin de la Manade Fanfon Guillaume, qui se livre pendant 3 minutes pour les principaux rubans. Et cède assez rapidement ses deux ficelles. Et en dernière position, Triton de la Manade Plot. Quelques actions aux planches sont à noter dans cet après-midi, où déjà la chaleur marquée de son empreinte ce week-end. Oui, c'est une course qui manque un peu de travail. La suite des courses, on bascule dans le Vaucluse maintenant, du côté de Cavaillon. C'était aussi un week-end taurin là-bas. Deux courses prévues, une le samedi et une le dimanche dans cette piste de Cavaillon. On va commencer par celle de samedi. Deuxième série du Trident d'Or, c'était les Lotiers contre la Manade Ribaud. Et à l'arrivée, c'est la Manade Ribaud qui l'emporte avec 200,5 points devant la Manade Lotier, 192,5. Et entre autres, un taureau Réboussier qu'on reverra sans doute dans des gros trophées de l'avenir. C'est beaucoup parce qu'il devrait être qualifié pour les demi-finales sûrement. 192 et 200 points, c'est beaucoup. Et une image qui paraît anodine, Jackie, mais c'est Siakini qui trébuche à la barrière, le taureau qui le suit. Et on le verra le lendemain avec des béquilles. Il ne rasettera pas et il passe des examens ce mercredi, ce jeudi pour un problème au genou. On croise les doigts, on espère pour lui que ce n'est pas un problème ou de ligament ou autre. Ouais, parce que il manquerait un trophée à venir. Hein. Lui qui en est le leader actuel largement. Beau rasé de Jérémy Ibarra avec ce taureau Joker. Joker, c'était le meilleur taureau de la course avec celui avec celui-là, Réboussier de la Manade Ribaud. À noter un bon Pradier hein, aussi dans cette piste et dans cet après-midi, dans ce premier acte de ces deux journées de Cavaillon. Il est timide, ce garçon, dommage. Il rasait bien. Rasait très bien. Le dimanche où il faisait encore plus chaud, merci à Christian Mérard hein, qui a passé son week-end à Cavaillon. Merci beaucoup pour lui. Fandango, pour commencer en image dans cette piste, il sortit second un taureau de la Manade Blanc. Alors, le spécialiste de Manade Blanc, c'est Gérard. Ouais, je l'ai vu, ce taureau, il est pas mal. Il est pas mal, il coupe un peu le terrain et il finit à la barrière. Gabian de la Manade Rio, de la Manade Renault, qui essaye de raser, a réussi à faire au front et même à livrer quelques actions aux planches, comme là, après Ibarra, par exemple, pour mettre en difficulté Morel. Gascon, ensuite, de la Manade Lotier, c'était l'avant-dernier de cette journée. Beaucoup de rapidité et de méchanceté aussi à la barrière pour ce taureau.
Et voilà les lauréats, David Sabatier, et puis je crois que c'est bon, Alchimiste et Galcon, les deux meilleurs taureaux de la journée. Gascon qui... C'est le Melon d'Or. Melon, non, c'était le Melon d'Or, c'est ça, Julien. Oui. C'est pas pour le taureau, ça, non, c'est pour le rasoteur. C'est, oui, pour le rasoteur. Ouais, Carbagon, c'est le pays du melon. Oui. C'est pour ça que Pellegrin est de là-bas. Ah, oui. Il dit toujours que les taureaux, quand ils sont mauvais, c'est des melons, quoi. C'est pour ça. Allez, la suite des courses du week-end dernier. Jackie, je crois que vous avez, entre Aigues-Vives, fait un petit tour à Lunel-Viel. C'était samedi après-midi et vous vous êtes régalé. Eh oui, c'était peut-être, pour moi, ça a été la meilleure course des trois. Du week-end, ouais. Alors, en premier, c'était Monsané, un taureau qui a laissé passer un peu, mais quand il venait, quand même, il finissait haut à la barrière et ça fait des grosses actions en planche. Mais il a quand même laissé passer, mais pour un second, je crois qu'il sortait. C'était second, hein, second. Ce taureau de la Manade Chevalier. Il a été intéressant. Enfin, on revoit des taureaux compétitifs de la Manade Chevalier, qui a des vaches extraordinaires. Ah qui oui. A si les taureaux avaient le niveau des vaches. Ah oui, ils auraient un bio d'or tous les ans. Là, c'est le taureau de Roquette, une très bonne tenue de piste. Apparition. Voilà. Beaucoup de vivacité. Je pense qu'il a fait une bonne course. C'est dommage que bon, la barrière, il ne finit pas trop la barrière. Mais ça peut venir. Ah, par contre, Marie Cadier, le voilà, le meilleur taureau de la journée. Hein. Péril du Grand Salin, voilà. Dit Carmen, je crois. Lui, il a eu une moins bonne tenue de piste. Hein. Donc, mais comme, comme c'est vrai que l'arène n'est pas très grande là-bas, donc c'est pas important là où il se tient. Et c'est vrai qu'il a fait les plus grosses actions de la journée. Bonne équipe de raseteurs et de bons gauchers, Zekraoui Marquis, hein, ont tiré la course. Ces trois raseteurs-là, vraiment, ils ont mené la course. Il y avait Julien Ouf aussi. Et Katif à droite, hein, bien sûr, aussi. On le voit, ce taureau qui sort un peu, allez, des pattes en avant, il fait des actions. Saphir du Brest-Alou sortait en cinquième position, Jackie. Lui, c'est un petit taureau qui a été bien, assez facile quand même, avec de temps en temps une petite anticipation. Mais c'est Zekraoui qui s'est régalé. Et puis Bizet, le taureau de Laurent. Alors celui-là, vraiment, il a été meilleur que celui qu'on a vu à Aigues-Vives. Hein. Parce qu'à Aigues-Vives, on n'a pas eu en image, mais il n'a pas été très brillant. Gros rasé où il vient de décrocher Zekraoui. Ouais. Le même, peut-être encore plus puissant, il passe de l'autre côté après Rudy Marquis et le blesse un petit peu sur l'action. Voilà, c'est un taureau un peu fantasque. Hein. Il a été un peu brouillon, mais il a sauté quelques fois. Mais dans chaque rasé où il a eu l'homme devant, alors, il s'est envoyé. Ils ont du sang, c'est Laurent. Ouais. Hein, ils ont retrouvé la race. Hein. Merci à Mathieu Arnaud qui était là ce jour-là et à Raymond Ferrière qui est allé le lendemain, le dimanche. Oui, et puis après, le dernier, c'était Roitelet, hein, de ce mois, qui était un peu fantasque aussi. Mais bon, c'est... Logiquement, hein, Péril du Grand Salon honoré dans cette course-là et Rudy Marquis également. On en parle souvent de Rudy, c'est l'un des très très bons. Oui, c'est Katif qui a gagné le prix, mais ils l'ont donné aux trois raseteurs. Tellement ils avaient bien raseté. Ça, c'est bien aussi. Course du lendemain, Jackie, avec un premier taureau, le quatrième de la journée. On a zappé les taureaux de la première partie. Rabineau de la Manade Renault qui récoltera Carmen ainsi que Esso de la Manade Félix. Oui, vous avez passé Rabineau, mais Rabineau qui a dû faire les plus belles actions de l'après-midi, non, non. Oui, on vient de le voir. D'accord. Esso de Félix, avec un taureau qui anticipe un peu. Et puis Félibre de la Manade Loupantaille, le démon de gros jeunes de Hubert Manon qui terminait cet après-midi. Qui a sauté plusieurs fois après Frédéric Joquin, hein, qui était de retour, notre ami Joquin. Ah, il est un peu chez lui là-bas, Lunel-Viel. Il s'est économisé toute la 20 saison, malgré lui. On le voit encore là. Ah. On donne le bonjour à hein, Frédéric Joquin, qu'on retrouvera sans doute à la fête votive de Lunel, que ce soit pour la journée des Pékelés ou autre. Dernière course avant l'entracte de cette émission noir et blanc. Faisons un petit tour du côté de l'Uzège et Uzès en particulier. C'était ce dimanche. Merci à Janine Haro qui était de la partie. Quelques taureaux qu'on a choisi de mettre en avant. Le premier, vous l'avez en image, c'est Vagabond de la Manade des Chamoines. Quelques belles actions et un bon gaillardé dans cet après-midi pour tirer la course. Il fera d'ailleurs 21 points sur cette journée. Et les deux taureaux les plus brillants, Perdigao, qui sortait cinquième de la Manade Brio, un bon taureau jeune de la Manade de Bouillargues. Beaucoup d'anticipation, de belles séries, un énorme cœur hein, à prendre les reprises, les séries sans arrêt. On ne peut bien sûr pas montrer tout ça en image dans une émission aussi chargée, mais le taureau a livré un très très bon quart d'heure juste avant Vinhomme de la Manade Fabre Mayen qui apporte lui une note spectaculaire à cette fin d'après-midi. C'est une nouvelle arène là-bas, non ? Oui, oui, Uzès, oui. Oui, moi, quand j'ai vu, c'était des câbles. Oui, et la piste, le sable était noir. Oui.
Et dans ces deux bons quarts d'heure, hein, 8 carmen pour Perdigau et 7 carmen pour Vinum de la Mana de Fabre Mayam pour bien terminer cet après-midi. Vous l'avez deviné, hein, il y avait beaucoup de courses le week-end dernier au Trophée de l'Avenir, dimanche en particulier. Voilà, grand merci à Janine pour ces images. Ne bougez surtout pas, il nous manque encore plein de courses. Monfrène, le Trophée de l'Avenir, la première journée du Trophée des Maraîchers aux As. Et puis surtout, un superbe reportage sur un taureau de la Manade Saint-Antoine, Gréco, qui va faire sa première course, sa troisième course de la saison cette fin de semaine pour la Palme d'Or à Beaucaire, mais qui surtout s'est fait retaper par un ostéopathe qui s'occupe aussi de temps en temps des taureaux, comme quoi, vous allez le voir, les taureaux sont aussi des sportifs de très très haut niveau. Un reportage comme vous n'en avez peut-être pas souvent vu, c'est tout de suite après ça.